mes meilleurs souvenirs dans ma carrière. C'est simplement un honneur pour moi d'avoir. C'est ma plus grande fierté. C'est moi. Alors, c'était tout simplement un nom qui m'est venu par la tête un jour. Et maintenant, c'est devenu un nom célèbre. Il y en a beaucoup. J'ai envie de te dire allô. Match qui m'a marqué toute ma vie, c'est France-Italie, ouais. Coupe du Monde 2006. Celui-là me fait plus de peine que la finale de la Coupe du Monde en 2018 me fait du bien, tu vois, pour te dire. Des pépitos, mon repas préféré. Besoin de ça avant un tournoi. Warzone ou Pokémon, même à mon âge. Je réfléchis trop. Beaucoup trop. Je me pose trop de questions. Futur, pour moi, c'est bien. Ça a permis à FIFA d'être ce qu'il est maintenant, qu'il n'était pas il y a 4 ans. J'irais rien que pour moi, vis-à-vis de mes parents. Mes parents m'ont toujours connu dans ma chambre, quand je jouais, à beaucoup jouer, à m'insulter presque. Et au final, après, ils étaient émerveillés par tout ce que j'ai fait grâce à être un geek. Et voilà, et c'est l'image que ce qui m'a le plus marqué, c'est ma propre image déjà, je pense. Yes Life, la preuve, hein, streamer matinal, hein, c'est moi. Si moi je stream matinal, à regarder stream nocturne, parce que j'aime bien me poser dans mon lit et avant de m'endormir, moi j'aime bien mater un petit Warzone de certains streamers. Dédicace à Loan. J'aurais dit que j'aurais largement celle de droite avec RNF Prime, mais vu que je suis un fan de Mbappé, je peux pas faire une équipe sans Mbappé, je vais prendre celle de gauche. Et il y a mon idole, Zizou. Je serais pas avec vous à l'heure actuelle. non, si c'était simplement du monde sur FIFA, je continuerai encore à jouer pour l'être de nouveau. J'en ai de plus en plus maintenant que je deviens vieux. Je regarde pas beaucoup mon téléphone pour pas avoir mal aux yeux. Et ouais, d'être seul. J'ai besoin d'être seul. Mais de me brosser les dents aussi, ça c'est vrai, ça c'est souvent, c'est vrai que ça, j'aurais pu te le dire tout de suite. Mais me brosser les dents, je peux pas jouer sans m'être brossé les dents. Genre si je pars en compète, même si je finis mes phases de poule, je vais être obligé d'aller me brosser les dents avant l'après-midi, même si je sais pas, en LAN, je prends toujours ma brosse à dents, et ça tout le monde le sait. Boisson, hein, boisson c'est la vie, hein. Boisson c'est la vie, ouais. J'ai toujours été quelqu'un qui prenait soin de moi dans l'alimentation et dans le sport, donc du coup j'ai souvent des périodes où je fais très gaffe à ce que je mange, j'ai besoin de personne sur ça, mais je fais très souvent attention, hein. Surtout avant un tournoi, même à la maison, quand j'ai un tournoi à la maison, je fais attention les 2-3 jours avant à manger beaucoup de légumes et tout, parce que je suis sûr que ça me donne plus de meilleur en concentration. Remise en question, parfois beaucoup trop, des fois c'est bien de se servir de la prétention un peu, mais... Et je pense que pour durer dans quelque chose, surtout dans l'e-sport, je pense qu'il faut rester les pieds sur terre tout le temps. Moi, j'ai besoin de jouer quasiment tous les jours. Peut-être pas beaucoup, une heure, mais j'ai besoin de jouer tous les jours. Détermination, travail et le courage, je dirais. Le courage, ouais. Ça dépend des périodes dans ma vie. Le stress dans le jeu va beaucoup avec les périodes de ma vie et c'est vrai que j'ai eu une période où je stressais beaucoup, après beaucoup moins. Et depuis quelques temps, j'ai eu beaucoup plus de stress et beaucoup plus de mal à le contrôler. Ça passe par essayer de se vider l'esprit. Et j'ai même une période où j'ai fait de l'auto-persuasion. Je me regardais dans une glace avant un tournoi et je me disais que je peux le faire, que je suis meilleur. Que je vais le faire. Ça m'est déjà arrivé de faire de l'auto-persuasion, j'y croyais pas, hein, et je jure que ça a marché. Mais sinon, j'essaie de pas trop penser et de m'évacuer l'esprit, surtout le soir avant. Faire autre chose. J'avais de ses bras. Mes meilleurs souvenirs dans ma carrière. Tout simplement un honneur pour moi d'avoir. C'est ma plus grande fierté. Ouais, mais ça marque énormément parce que. Ça, comme l'ont beaucoup dit à ce moment-là, c'est que ça faisait 7 ans que je faisais les championnats de France, 7 ans que j'ai fait au moins 3 finales et je ne l'ai jamais gagné. Et 7 ans après, j'ai réussi à gagner et je pense que c'est pour ça que ça m'a plus... voilà, c'est vraiment incroyable. C'est incroyable ce joueur. J'ai envie de continuer à bosser là-dedans. Moi, c'est ma passion. Hein. Ça, c'était un rêve qui est devenu réalité, qui est devenu une passion, une vraie passion pour moi. Je suis un fan de l'e-sport. Dans les prochaines années, j'aimerais continuer à travailler dans l'e-sport, quoi qu'il arrive, l'e-sport ou dans les jeux vidéo.
Un grand merci pour tout le soutien depuis toujours, pour ceux qui ont toujours cru en moi, qui me soutiennent encore maintenant après toutes ces années, même s'il y a eu plein de nouveaux. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui me soutiennent, surtout plus ces derniers mois avec Twitch, parce que je me suis lancé seulement il n'y a pas longtemps et j'ai explosé un petit peu quand même. Explosé hein, à mon échelle, bien sûr, mais je suis vraiment content de ça et c'est une de mes plus belles réussites dans l'e-sport aussi. Et merci pour tout ça en tout cas.